Le pire, le terrible, c'est la clairvoyance des hommes. Lente à s'éveiller, mais qui s'éveille. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'elle s'éveille? Allez les gars, ça va aller. Ça se présente bien. Les chasseurs du 25 ont bien marché. Ils sont rapprochés du point D. Ils le serrent de près. Point D, point Q, point chose, y'en a marre. Ce qui compte, c'est gagner la partie, j'ai raison. Attention, tenez-vous prêts. En avant! Je reviens. Me la donner avant. Je lui donnerai, je te le jure, je te le jure. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit de pas venir. De partir.
Le lieutenant Porchon. Oui, oui, je sais, il est blessé, il est descendu à l'infirmerie. Il a été tué, juste avant d'y arriver. Je suis désolé. Il faut que j'y aille. Pas maintenant. Pas maintenant. Cela ne m'a saisi que longtemps après. Dans le creux d'argile mouillé où j'étais revenu m'asseoir. Une froideur dure, une indifférence dégoûtée pour toutes les choses que je voyais. Pour l'ignominie de la boue et la misère des cadavres, pareil à une contracture de l'âme. Quel sens? Tout cela n'a pas de sens. Le monde sur la crête des éparges, le monde entier danse au long du temps une espèce de farce démente.